Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour cette nouvelle vidéo, un nouveau retour sur Subnautica, donc une nouvelle série. Alors, je vais en profiter pour vous montrer, j'aimerais vous montrer quand même, voilà. J'avais déjà joué au début janvier, j'avais tourné 5 vidéos, donc quand même pas mal déjà de vidéos. Vous pouvez voir que j'ai même été sur des parties qui étaient assez longues, je faisais des trucs un petit peu différents. Et j'ai appris que 15 jours plus tard, le 23, le jeu sortait en 1.0, donc je me suis dit c'est pas grave, on recommence, du coup on fait ça. Alors je savais pas que la sauvegarde allait être réutilisable, quand bien même, on va repartir entièrement en 1.0, on va bien voir. Alors je suis désolé si je parle un peu du nez, je suis un peu pris. Survie, naufragé sur une dangereuse planète extraterrestre, vous trouvez votre matériel et gérez votre faim et soif pour survivre. Eh ben on part faire ça, voilà. Et donc du coup le jeu est enfin sorti en 1.0. Alors il y a des rumeurs de DLC payant, des rumeurs de zone arctique. On s'en moque, pour l'instant c'est pas ce qu'on cherche. On reprend entièrement le jeu de A à Z, de S à A, de Sub à Nautica, et on revoit tout ce qu'on a pu voir. Faut savoir que moi comme j'avais recommencé une partie, j'avais repris un petit peu quelques mécaniques de base que j'avais perdu un petit peu. Et j'en étais quand même arrivé en bout de 5-6 vidéos. Je crois que c'était 6 vidéos plutôt. Deux sessions de 3 vidéos. J'en étais quand même arrivé. C'est ça. J'avais monté 6 vidéos. J'avais tourné une session de 3 autres. C'est pour ça que j'en avais fait aussi long. Quoi qu'il en soit. Je vais y arriver. J'étais arrivé suffisamment loin pour construire. Commencer à chercher les ressources. Et le dernier palier de recherche je vais y arriver. Oh, du gros truc. Putain, ça y est, j'ai déjà perdu le mot, quoi. Du cyclope, merci, voilà. Donc, grosse recherche. On verra bien jusqu'où on arrivera. J'essaierai d'être aussi efficace dans cette série d'épisodes que dans la dernière, on verra. Maintenant, reste à voir si j'y arriverai. Ça m'étonne, 22h et 8 minutes. 22h et 8 minutes, c'est peut-être l'heure à laquelle j'ai lancé la partie pour la dernière fois. Plutôt que 22h de gameplay. Enfin bon. Du coup, pour moi, c'est la troisième fois en plus que je vois ça, parce que je m'étais entraîné avant de lancer le tournage de la session de janvier. Donc bon. Je crois qu'il regardait en haut. Voilà. Ok. Dommage qu'ils aient pas mis la superbe bande-annonce qu'ils ont faite avant. Parce que là, c'est vrai que ça, on arrive un peu dans le. Bon, directement dans le. Dans le fort du sujet, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va reprendre enfin le jeu. C'est-à-dire que c'est quand même un super jeu, hein. J'ai flippé plus d'une fois. Hein. J'ai même fait des. Enfin, j'ai même commencé des parties de nuit et tout, vraiment de nuit, où je devais vraiment pas dire trop de choses, etc. En mode, je suis tout seul. Alors si un jour vous devez utiliser un extincteur, jamais en pression continue. Toujours en petite volée. Ok, donc ça c'est cool. Allez, mon iPad, il démarre en mode urgence, forcément. Mode sans échec. Merde. Un iPad en mode sans échec. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA. Ah, ils ont revu tous les textes en français? Emergency mode with one directive to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Alors, je fais ça juste rapidement, chers amis, parce qu'après il risque de me le demander. En tout cas, dans la version que j'avais faite, il me le redemandait sans arrêt. Hop, donc je préfère être prévoyant, hop c'est bon, parfait. Alors là on a du stockage, vous allez voir qu'on a déjà 2-3 petites choses intéressantes. Donc ça je vais le laisser là, ça je récupère. Hop, pardon, juste en passage on va faire une sauvegarde par dessus tout ce qu'on a pu faire. Et là j'en prends une, pourquoi? Puisque ça permet d'en faire une deuxième pour le moment, ce qui n'est pas plus mal. J'ai pas l'outil de réparation, on monte. Et on découvre enfin ce nouveau monde qu'on a déjà visité plus d'une fois. Alors il se pourrait dans les jours à venir que je réinstalle un mod que j'avais utilisé dans la version
dans la saison de mois de janvier, qui me servait en fait de map pour savoir dans quel biome j'étais, tout simplement. Puisque j'ai des connaissances au niveau du jeu, mais j'ai oublié la tronche, quoi, des biomes. Wouah ! Des succès ! Ok, cool. Bon, on va pas perdre de temps. Quartz. Quartz. Hop. Ouais, je m'en doutais que j'allais me le bouffer celui-là. J'ai senti quand j'ai buté contre le truc, j'ai senti que quelque chose allait mal se passer. C'est pas grave, c'est un mauvais départ, mais il y a pire, on a connu pire. Au moins on va avoir de la poudre dès le début. Du soufre, je sais plus. Je sais plus comment ils ont appelé ça. Il va me falloir aussi un petit peu de... Voilà. Titane, c'est pas ce qui m'intéresse. Là on y reviendra un peu plus tard. Bonjour. T'as vu ça? Alors j'ai pu rencontrer aussi de nouvelles créatures au fur et à mesure de la première session de tournage. Donc je vais essayer de vous les montrer assez rapidement. Boomerang. Boomerang. Gary Fish, voilà, merci. Bonjour. Marcus, Gary Fish, Gary Fish, Marcus. Ça c'est du titane, je vais le prendre par principe, mais c'est pas ce que je cherche du bronze. Du cuivre. Ah. Je faisais déjà l'erreur à l'époque, je suis désolé. Hop. Hop, j'avais oublié. Savoir qu'à partir du moment où j'ai eu les premières améliorations, j'ai été tellement plus libre, et là c'est ce qui va bientôt arriver, hein, bien sûr, chers amis, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est ça que je recherche. Un petit peu de cuivre. Voilà. Là ça je vais le payer par contre. Je vais le payer dans plusieurs sens. C'est aussi dans le sens où je vais peut-être ressortir. Bah non c'est bon. J'avais peur de ressortir à un endroit où il y en aurait encore. Oui je monte. Hop, voilà, parfait. Et donc, j'utilise ceci, c'est pas grave. Et donc, je crois que... Non, c'est pas, ça n'en est pas. J'essaie de vous en trouver à vue, mais j'en vois pas. Dommage. Ça, c'est cool. Hop, un petit peu de cuivre, ça fait du bien par où ça passe. J'essaie de vous en trouver. Des créatures que j'avais pas vues avant, alors peut-être que... Alors, comme elles sont placées, idéalement... À la surface, peut-être que c'est la raison pour laquelle je ne les avais pas vus. Mais bon. Il y en a encore un ici. En tout cas, en termes de bouffe, on est bon. Alors, je voulais prendre suffisamment de bouffe pour être tranquille, mais là, je pense que c'est bon. On va aller manger et boire. Surtout manger, apparemment. Ok. Bon. Heureusement, le fabricateur marche toujours. Un petit peu d'eau, s'il te plaît. Alors j'ai eu l'impression que les bouteilles d'eau rapportaient quand même un peu plus de flotte qu'à l'époque nous on jouait. Donc c'est une bonne chose en soi. Et aussi que la salaison était toujours un moyen pratique d'emmener de la bouffe, mais était beaucoup plus, on va dire, demandante en termes de... d'hydratation derrière. Donc c'était un vrai problème ça. On va faire du verre parce que je crois que j'ai pas besoin de quartz au départ. Ce qui est plutôt une bonne chose. S'il y a besoin, je sais où en trouver. Voilà, donc on commence à arriver à des choses un peu plus intéressantes. Armure. Donc on va commencer par ça. Il va me falloir une pile pour le scanner. Et pour ça, oui, je sais. Alors déjà, on va commencer plutôt par le caoutchouc en silicone. Caoutchouc en silicone, j'oublie toujours comment faire. Ah oui, les graines. Les graines. Ok. Normalement, je suis bon. Réservoir. Je l'ai déjà obtenu? Ah oui. Oh. Ah, oh, ça vaudrait presque le coup d'aller déjà le chercher.
Ah, petit bagna. Manger, voilà. Bon, on va pas déjà aller le chercher. Si, on va y aller. Il fait pas, il commence pas déjà à faire nuit. Non, c'est bon. Les graines, les graines, les graines, les graines, les graines, les graines. Normalement, ça devrait être par là. Voilà. Et donc nous, on va se diriger aussi plus par là. Puisqu'on va récupérer des graines et on va essayer de tomber sur un petit peu d'argent pour avoir un meilleur air tank. Réservoir d'oxygène, tout simplement. J'ai cherché air tank en français. Je le trouvais pas. Salut! Alors, les graines sont là. Bonjour. Alors, on va essayer un truc. On m'a conseillé de le faire, donc on va essayer. Tiens, Piper, viens là. Hop. Salut mon gros. Toujours avoir un ou deux poissons sur soi pour les jeter à la face de l'ennemi, qu'ils se nourrissent et qu'ils te laissent tranquille. Alors, on va remonter à la surface parce qu'on va aller en profondeur ici. Okay. Et on y va. Bonjour. Non, casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Hey, vous étiez pas là avant, vous! Je vous ai jamais aimé! What? Alors. Et je me rappelais pas de ça, moi. C'est rigolo. Je me rappelais pas du tout de ça. Je me rappelais pas du tout de ça. Et je vais être honnête, ça me plaît pas. J'aime être honnête. C'est la base. Mais bon, on va redescendre, c'est pas grave. Mais normalement, ils sont pas là. Ou alors c'est moi qui suis un peu plus loin que prévu. Enfin, pas aussi. Pas au bon endroit, peut-être. Mais ça m'étonne. Hop, cuivre, toujours. Et normalement. Hop. Purée. Un petit peu de sel, on va le prendre. Je t'ai entendu, gros tas. Bon, la nuit tombe. Ouais, j'ai entendu. Je t'entends bien. La nuit tombe, c'est pas grave. Ça va être un peu plus dangereux que prévu. Oh, petit lag. Alors je sais pas s'il y a eu véritablement une mise à jour avec au niveau de l'amélioration des FPS, de l'optimisation du jeu. Puisque normalement oui. Mais les retours que j'en ai eu, c'était plus non. Salut bonhomme. Non. Faut savoir qu'ils font pas trop trop de bruit, ceux-là. Ils te sneak derrière et ils font pas trop trop de bruit. Casse-toi, tu pues! Voilà! Non, ça n'a pas suffi apparemment. Casse-toi, tu pues! Non, il a pas envie de partir. Hein. Pas l'impression. Bon, bah, on va faire avec. Ok, commençons par les palmes. C'est pratique. Vous allez voir qu'on va en avoir besoin. Un couteau. Un outil de réparation, ça va être nécessaire aussi, puisque ça me permet de commencer déjà l'histoire. Ça, c'est très très cool. Alors, il nous faudrait une pile. Il nous faudrait peut-être une poche d'air aussi, c'est toujours intéressant. Et surtout, il nous faudrait deux piles, et voire même un bouchon. Et oui, bon, c'est faisable. Tout ça, c'est faisable. Alors. Ok. On disait donc, une pile, j'avais déjà pris ce qu'il faut, vous voyez j'ai des réminiscences de ce que je dois faire.
Hop. Ah, on va partir là-dessus, c'est pas grave. Je me suis tâté. Alors. Nous disions donc. 1. 2. 3. 4. Merci. Pas de mal. Petite sauvegarde. Hop. Ah bon. Alors. 2. 3. Merci. Alors, commençons par ça. Réparons le truc. Ça va faire du bien. C'est cool. Réparons cette chose. On est bon. Il fait toujours nuit. Vous pouvez voir qu'on peut ramasser un deuxième kit médical. C'est parti. Pas bon signe. Donc on va voir aussi, parce que au moment où j'ai fait des vidéos, donc au début janvier, il y avait encore des choses qui n'étaient pas traduites. Et c'était casse-couille. Bon. C'est des boomerangs, j'avais pas compris ce que c'était encore. Le pochon. Hop, on l'a. C'est bon. Là, Qu'est-ce qu'il nous faudrait en plus? Je sais plus ce qu'on devrait faire. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? La poche d'air, je peux la faire, donc je la fais. C'est toujours pratique. Alors, la pétoche. Il faudrait une autre pile, et pour avoir une autre pile, il me faudrait deux champignons acides. Ça va être très rapide. Ça va être très très rapide. Hop, on en a juste là. C'est génial. Alors prenez les plus petits au départ. Pourquoi? Parce que comme ça vous verrez toujours de loin les gros. C'est un truc que je me suis rendu compte que c'était vachement malin de le faire. Ça peut paraître débile, mais au moins vous cherchez pas pendant des plombes. Donc on a plus ou moins tout le matériel qu'il nous fallait. On va commencer donc à se bouger. Il va falloir un petit peu plus d'argent. On est plutôt bien en termes de ressources, c'est très très bien ça. Et donc on avait dit aussi de l'argent et de la recherche. Le soleil se lève, c'est parfait. Donc on va quand même, par principe, reprendre la route qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire en direction des graines. Alors, on va quand même scanner 2-3 choses au départ. Je sais que je le fais pas souvent. Mais il le faut, c'est nécessaire. Mais viens là! Viens là! Hop, c'est bon. C'est extrêmement intéressant plus tard, ça. Oh! Bonjour! Ah, parfait! 1 sur 2. Ah, je crois que c'était 3. Bon. Mais non, sois sage! Merde. Hop. Ok. Donc, c'est pas trop par là que je voulais aller. Piper! Piper, arrête de piper! Voilà. Je commence à les connaître un minimum quand même. Voilà. Il va me péter au nez. Et je rigole pas quand je dis ça. Hein. Il va vraiment me péter au nez. Son objectif dans la vie, c'est de me péter au nez. Laisse-toi! On n'a pas senti du tout le stress du Marcus. Siglide encore. Ok. Là, il y avait la balise. Il va falloir aller chercher la balise.
Hop, on y va. Et encore, c'est pas le débris que je recherchais. Donc là-dedans, c'est dangereux. Là, il y a les vignes. C'est marrant, ça. Et là, je me rapproche un peu trop de l'aurora. De mémoire. Hop. Dans la mort, c'était juste autour du commandant de notre premier vaisseau, pardon. Mais alors, est-ce que j'ai de la place pour... Non. Oh là, t'es déjà pas en forme, toi. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Ou alors, ça va peut-être plus vite, justement, pour faire un développement de jeu. Merde. C'est bon. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Ok. Tu me l'as déjà donné? Ah oui, l'outil de repérage, oui, ils ont remis ça, c'est plus le fil d'Ariane. Exact, exact. J'avais zappé cette histoire. Lubrifiant, fil de cuivre, pile. Faisable. Lubrifiant. Déjà ça. Maille de fibre. Tu me le fournis toujours pas? D'accord. Fil de cuivre, faisable aussi, mais pas maintenant apparemment. Va falloir un peu plus de cuivre. Crac. On va aller chercher ça. Alors normalement, aux alentours, je suis censé pouvoir trouver des choses. Le pochon. Alors c'est toujours une histoire de profondeur. C'est marrant parce que ce que je... Ah, attendez, on y est peut-être. On y est peut-être. Non, même pas. Alors, c'est marrant, j'ai des souvenirs de la... Ah, si, peut-être. J'ai des souvenirs de la carte qui sont légèrement différents. Ce qui est assez perturbant, hein, je vais bien le reconnaître. Pour le coup... Bon, la paillasse, c'est bon ça. Hop. Ouais, c'est rigolo, j'ai des souvenirs de la zone qui sont complètement différents. Il y a quelque chose, ça doit être la balise numéro 2. Non, c'est pas la balise, c'est le fragment de gravisphère. Tiens, j'avais jamais que c'était... Bonjour toi, ça va? Il est venu dire bonjour. J'ai pas stressé du tout quand je l'ai vu. C'est faux. Il m'a pas foutu les pétoches. C'est faux. Non, c'est pas là. C'est pas ça que je cherche. Siglide, je l'ai déjà. C'est pas celui-là que je cherche. Casse-toi! J'ai pas eu le temps. Le mec qui veut scanner le machin qui veut le tuer, quoi, c'est. Débile. Oh, cassez-vous, les mecs. Je sais bien que vous avez envie de péter, que vous êtes gros, tout ça, mais. Quand même. Un peu de respect pour moi. Ouah, c'est rigolo comment j'en chie à me repérer alors que la dernière fois ça allait bien mieux. Je veux dire, c'est même pas que ça allait bien mieux en fait, c'est plutôt que. Ça me semblait complètement différent. Partez pas aussi loin pour tomber sur une... Bon, on a la deuxième balise, ça c'est cool. Finalement, je me suis rendu compte que les balises, c'était la vie. Siglide, bon, ça c'est pas intéressant, on l'a déjà. Oh, cool. Le petit piège. Bonjour monsieur Kipette, qui prend son tutu pour une trompette. Oui, je sais pas, non, c'est... Pour une voilette, je crois, dans Shrek, c'est...
Autant pour moi. Scanne-moi ça. 30 secondes d'oxygène, merci de me prévenir, espèce d'IA. Voilà, elle a mal pris l'insulte quand je l'ai appelée IA. Ah, il me faudra un peu plus de cuivre, cela dit. C'est toujours quasi invisible, hein, les... Oh là 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 là. C'est quasiment invisible, ces trucs. Ça me dérange pas, en soi, hein. Je trouve ça assez stylé, parce que visuellement, normalement, c'est un peu ça. Hein. Mais... J'en ai un là. Carifiche. Titane. Dommage, pas de bol. Ah, j'ai déjà un message radio. C'est assez cool et à la fois assez chiant d'en avoir déjà un. Il y a des gros caca aussi dans le coin. Là, il y a quelque chose. Avec un peu de bol. Du cuivre, génial. Si je disais avec un peu de bol pour trouver ce que je veux, c'est ça là? Par contre, ce qui m'emmerde, c'est que je retrouve pas le débris que j'avais dans le coin. Normalement, juste autour du comment du. Non, cassez-vous. Vous allez... Voilà, vous allez me péter au nez. Et il se marre en plus. Il me pète à la gueule et il se marre. Normalement, autour de moi, j'ai un gros trou qui crache de la vapeur. Et. Juste à côté. Je suis censé avoir un débris. Mais apparemment, je n'ai ni le gros trou, ni le débris. En tout cas, c'est ce que j'avais dans la première version. Enfin, dans la version de janvier. Première version de la série, en fait, c'est ça que je voulais dire. Casse-toi si tu veux te casser. Moi, je scanne. Voilà. Merci d'avoir été si aimable de pas te barrer en courant. Ah, attendez. Non. Oh putain, attends, j'étais persuadé d'avoir ce gros trou. Alors soit c'est généré de manière procédurale au niveau de cette chose-là, soit je ne comprends pas. Soit je suis pas placé au même endroit, ce qui est possible aussi. Mais bon, on a ce qu'il faut. On va pas s'en plaindre, je vais récupérer un deuxième pochon pour avoir un peu plus de bouteilles d'eau. Peut-être un petit peu de bouffe aussi. Putain, non! Garifiche, voilà. Mais normalement, aux alentours, c'est ce que, enfin, c'est ce que j'avais la dernière fois, quoi, je veux dire. C'est rigolo que je tombe pas dessus. Enfin bon, c'est pas grave. Bouffe! Enfin, flotte d'abord. Tant qu'il fait jour. Mais parce que là, c'est des panneaux solaires qui fonctionnent sur ce truc-là. Je précise, des fois que vous ne sachiez pas, on peut les voir afficher sur le panneau à gauche. Je vais vous les montrer. En mangeant. Voilà. C'est des panneaux solaires, vous voyez, avec des batteries. Batterie solaire, batterie solaire, batterie solaire. Donc plus efficace, forcément, de jour. Hop, et on est bon. Ok. Un fil de cuivre et deux piles de mémoire. Ce qui me fait penser que j'ai du coup pris que pour une seule pile. Et j'avais le choix entre... Non, bah non, en fait, non, c'était dans ma tête. Non, c'était dans ma tête. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bah on y va alors. Alors finalement, la chose que j'avais le plus de mal à chercher, c'était... À trouver, pardon, c'était du comment du titane. Du... Du cuivre. Ah, elle m'a toujours pas donné la maille. Marrant ça. Alors construire de l'habitat pour l'instant c'est pas intéressant pour nous. On va prendre le message. Ou alors, quelle heure il est? Ça fait 30 minutes qu'on tourne.
On va se laisser là et on va prendre le message la prochaine fois, comme ça vous perdrez pas le fil. Donc moi je vous laisse là pour cette vidéo, les amis, merci de l'avoir laissé Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop !